Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment installer Task Force Radio, la nouvelle version, la 0.9.12. Alors, tout d'abord, si vous n'avez pas TeamSpeak, si vous n'avez pas de serveur TeamSpeak, alors inutile, enfin, si vous n'avez pas ou si vous n'utilisez pas TeamSpeak, inutile de télécharger Task Force Radio. Parce qu'il marche avec TeamSpeak. Donc, si quand vous jouez à Arma, vous ne jouez pas sur TeamSpeak, parce que vous n'avez pas de serveur TeamSpeak, mais que je vous jouez sur Mumble, via Skype, via Discord, laissez tomber, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument passer par TeamSpeak. Donc, vous avez TeamSpeak, vous avez installé TeamSpeak. Tout est bon. Donc, vous allez télécharger ce fichier. Voilà, vous allez l'avoir en WinRAR. Donc là, on va l'ouvrir. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes là, vous faites extraire vert. Et là, vous allez aller dans le dossier où vous installez vos mods. Donc, si vous les installez à la racine du jeu, vous n'avez rien changé. Vous allez aller dans là où vous avez Steam. Donc, Steam. Voilà, Steam. Steam Apps. Common et Arma 3. Voilà. Vous mettez sur Arma 3, comme cela, et vous mettez OK. Ça va décompresser le fichier directement, enfin, le dossier, pardon, directement dans Arma 3, là où vous mettez vos mods. Si, comme moi, vous le mettez autre part, enfin, vous mettez votre mode autre part, bah, vous le mettez là où vous mettez vos mods. Donc, on va aller là où moi j'installe mes mods. Hop là, voilà. Mode Arma. Voilà. On va se mettre sur Task Force Radio. Voilà mon dossier. Donc je double-clique. Il va se composer, se décomposer comme cela. Hop là. Quick. Vous allez avoir un dossier add-on, un dossier case, un dossier TeamSpeak et puis plein d'autres fichiers derrière. Donc, le seul qui va vous intéresser là, c'est celui-ci. Vous appuyez sur TeamSpeak et là, vous avez un fichier en execute. Alors, de deux choses l'une, soit vous avez ce petit dessin-là avec le dessin de TeamSpeak, soit ça vous fait comme un dossier qui n'est pas reconnu. Si ça vous fait comme un dossier qui n'est pas reconnu, donc vous sélectionnez. Vous faites un clic droit, vous faites ouvrir avec, vous faites, donc là il va vous mettre différentes choses, bon ben moi il me l'a déjà reconnu, hein, mais je vais vous montrer le chemin. Vous faites plus d'applications, vous descendez, recherchez une autre application sur ce PC, vous allez là où vous avez installé TeamSpeak, voilà, donc moi TeamSpeak je l'ai ici, et dans ce dossier TeamSpeak, là, vous avez installé TeamSpeak, vous allez cocher package tiré du 8 inst, voilà, et vous faites ouvrir. Et là, votre exécutif va s'ouvrir. On peut fermer. Ensuite, donc ça, tout est bon. Et là, il va vous dire le complément sera installé où? Eh bien, si là, vous n'avez pas de chemin, vous lui mettez le chemin où vous avez installé TeamSpeak. D'accord? Donc le même chemin que précédemment, là où vous avez installé TeamSpeak, vous sélectionnez le dossier, sélectionnez un dossier, et là vous cliquez Installer. Et il dit vous êtes sur le point 1. OK, donc là, oui. Le complément est installé. Voulez-vous activer ce complément, redémarrer votre client TeamSpeak? Donc moi ce que je vous conseille, c'est déjà d'éteindre TeamSpeak. Vous mettez oui. Ensuite, on va aller sur TeamSpeak. Alors, TeamSpeak, le voilà. Alors, je vais me mettre là. Connected. Voilà. Et je vais me mettre sur Channel FK. switched. Voilà. Pour pas embêter tout le monde. Ensuite, vous allez dans les paramètres. Vous allez dans Plugin. Et là, vous allez regarder quoi? Ici, que Task Force Arma 3 Radio soit bien coché. Voilà. S'il est bien coché, alors c'est bon. Sinon, vous le cochez, bien sûr. Après, vous faites fermer.
Disconnected. On va fermer TeamSpeak. Voilà. Donc là, le Task Force Radio est installé sur votre ordinateur et il est fonctionnel dès que vous allez le sélectionner au niveau des add-ons. Donc, là, on va aller lancer Arma. Voilà. Et donc là, vous allez aller dans vos modes. Donc je l'ai sélectionné, voilà, je le désélectionne. Alors pour que ça fonctionne, il vous faut CBA, donc Community Base Add-on. Donc ça c'est la dernière version, la 3.1.0. Donc je vous conseille de la télécharger, mais de toute façon, Task Force Radio ne fonctionnera que si vous avez CBA. Ensuite, vous descendez, vous allez rechercher Task Force Arrowhead Radio 0.9.12. Vous le cochez et vous lancez votre jeu. Et donc vous avez allumé TeamSpeak, hein, bien sûr, avant de lancer votre jeu. Vous avez rejoint tous vos potes sur TeamSpeak. Vous cochez les deux là et vous faites jouer. Et vous passerez automatiquement sur Task Force Radio dès que vous serez sur votre mission. Voilà pour la petite explication de Task Force Radio. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas un petit partage, un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, bye à tous.